Ouais, bah, de toute façon, il n'y a pas 50 trucs à faire. Hein. On va envoyer les bêtes sauvages sur la porte, on va envoyer les tours sur les murs. Basta. Hein. Et hop, ne casse pas les bonbons. Toi, tu vas faire ça. Toi, là-dessus. Toi, là-dessus. Toi, ici. Ici, oui, ici. Voilà. Tac, 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 tac. Donc là, on les laisse un peu passer devant. Krug va perdre. Oh, il y a de grandes chances que je perde, ouais, tout à fait. Il y a de grandes chances. Franchement, avec deux armées, je pensais que ça passerait crème. Et vu la barre de puissance, là, je suis pas franchement confiant, tu vois. On va les laisser popper tranquille. Ici. Non, attends. Fais une pause. Pause. Chercher là. Donc ça sur la porte. Ensuite sur la porte, je voudrais le scorpion et les clébards. Pas où ils sont. Faites pas chier avec les spoils, hein. Si ça spoil, vous avez le droit d'être banni. C'est pas moi qui vous défendrai en cas de ban pour du spoil, les gars, attention. Bon, allons-y, hein, j'ai envie de te dire, allons-y, quoi. C'est pas con, sérieux, c'est pas con. Donc ça, attends, on va faire une petite pause. D'accord. Oh, c'est pas mal, c'est pas dégueu. Ouais, c'est un style, c'est un style. Je vais faire de mon mieux, The Snake, je vais faire de mon mieux. Ok, bon, cette porte là elle tient le coup. Alors, le scorpion. Normalement, le scorpion il devrait me déboîter la porte en 2-2. Pour l'instant, ça tient. Ok, là on commence. On commence à dégueuler nos hordes de squelettes de merde, certes. Donc là, on va monter. On va monter Sérion sur le mur. On va monter Arcane aussi, on va monter ici. Ok, alors le scorpion, il en est où le biloute là? Ok, il est dessous. Ils ont déjà ouvert le... Ah ouais, non, d'accord, ils ont ouvert la porte pour me faire chier, en fait. Ok. Alors, on va faire un petit coup de Liber Mortis. Ouais, allez.
Ah putain, ça marche pas sur le mur. Ça va, ça va, ça va, c'est passé. Ok, Liber Mortis, c'est cool. Ah, ça pique carrément, mais c'est des troupes de merde, faut pas oublier. Les Moumou. Ah, mais Moumou. Tu l'as rentré, hein. Ok. Et eux, ils sont toujours pas montés sur ce putain de mur. Ok, il y a lui qu'on n'utilise pas, les charognards. Bah. Comment ils ont fait pour me tuer des charognards? Ils ont pas bougé depuis le début de la bataille. Les machins, ils sont... Ah oui, d'accord. Les machins, ils ont dû mourir d'inanition, en fait. Ils sont morts d'ennui. Voilà. Bon, par contre, alors... Le thé vert bio-organique drainant... Eh ben... Non. C'est un petit peu comme la tarte au concombre. Bah, je me doute. Mais par contre, c'est bio. Donc là, je vais être en bonne santé. Et ça, c'est cool. Hey. Alors, le scorpinou. Voilà, on peut leur rentrer dans la bouche maintenant. Donc là, ils sont en train de céder sur le mur, c'est plutôt pas mal. J'ai plein de magie, mais j'ai pas de... Salut Kaiser. Et... Ah, les pubs sur Twitch, c'est pour Twitch. Hein. Donc, mettez Adblock, j'en ai rien à battre. Ils veulent pas de moi comme partenaire, donc... Je vous tiendrai au courant quand les pubs Twitch, ce sera pour ma gueule, je vous le dirai, mais pour l'instant... Puis j'ai. C'est de la merde, alors, que je te dise. Il est où, Serion? Il doit être sur le mur. Oh, il est en train de faire le taf. Je peux pas trop m'approcher, je pense que si je m'approche de trop, ça va bugger de ouf. Là, on va mettre nos archers en position sur le mur. Ça a pété ça ou pas? Ben non, la porte elle a 7% quoi. Bon, alors ce qu'on va faire, on va prendre tous nos chars, nos cavaliers et tout. Et on va passer ici. Voilà, comme ça après, on va rentrer dans le bordel. Donc là, hein, comme vous pouvez le voir, il y a tout... Regardez-moi ces légions de... Oh, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Des centaines de squelettes qui sont prêts à monter sur les murs. Avec un petit peu de musique épique, on dirait un vrai film, sans déconner. Une armée de Bretoniens qui se fait submerger par des milliers de squelettes. J'adore. Bon, même si moi je préfère le rôle du Bretonien. Hein. Là, en l'occurrence, eh ben, c'est nous les méchants, et puis voilà. J'irai voir mon psy, et puis il m'aidera à traverser cette épreuve. C'est pas grave. Ça va encore me coûter les yeux de la tête. C'est pareil, un coup de... les yeux de la tête, c'est encore une expression de merde. Donc, ça te coûte... Tu veux que ça te coûte les yeux de quoi? Les yeux du... l'estomac, du genou, tu vois quoi. Ouais, carrément, Tolls, putain. Le tout en vert, tu sais, où tu peux prendre la place du soldat, avec la musique, les mecs qui passent à côté de toi. Mais juste en spectateur, tu sais, mais quand t'appuies sur K, tu vois, regarde. Quand t'appuies sur K, tac, tu passes en mode cinématique. Donc là, t'appuies sur K et poum, ça passe en VR dans la gueule du soldat que tu suis. L'architecture colle pas avec le... J'avoue. Non, c'est vrai. Bientôt, on va voir la Dame du Lac sortir du lac au milieu du désert. Et mais what? Salut Mathieu. On dit aussi ça coûte un bras. Ah mais ça coûte un bras, c'est pas bizarre. C'est pas... si on disait ça te coûte la main du bras, bon voilà, t'as pas de main ailleurs. Les yeux de la tête. Et tes yeux ils sont que sur ta tête, c'est ce que je veux dire. C'est pas compliqué quand même. Non.
T'as pas un match à regarder, toi? C'est ce qu'il me semblait. Oh, comment je l'ai... Je vais te faire de la SMR aussi, toi. Ouais, mais non, faut pas qu'il sorte de nouveaux GPU, là, c'est bon. Encore fait engueuler par ma femme, tout ça. Ça devient... ça devient routinier, quoi. Hein? Oh, je fais quand même régulièrement des conneries. Ils vont prendre du nouveau chien. Hein. De toute façon, c'est comme les gosses, ils sont calmes toute la journée, et à partir du moment où tu reviens, bizarrement, ça part en couille. C'est vrai que si on conquiert le monde en empire mortel, elle fait roi des trônes, dégage. Je sais pas du tout, je suis pas du tout des stars, aucune idée. Linus, arrête. C'est pas l'heure. Ah, c'est toute une éducation à faire, ces chiens, vous savez. Alors, bon, ça se passe plutôt bien, hein. Ils se font... Oui, la peau des fesses, et non pas la peau du CUL. Parce que sinon, YouTube est pas content. C'est comme ça. Il est où, le scorpion? Oh non, vu la taille du machin... Même avec de la bonne volonté. Ah, salut Ike, je t'ai pas vu arriver. Excuse-moi. Oh, attention, il y a des halbardiers là, faudrait les choper. Avant qu'ils se fassent mon scorpion. Arcane le Black, on va l'envoyer là-dessus aussi. Serion, il doit toujours être... Ça va, Serion, tranquille, t'es bien comme ça sur ton rempart, y'a pas de soucis? Ça te tenterait pas un peu de bouger ton cul et de combattre, non? Je sais pas, ça te viendrait pas à l'idée de venir tout seul combattre plutôt que je vienne te chercher par la peau du cul? Pas possible, ça. Oh, le bordel. Ok. Non. J'en ai pris de trop, là. Venez ici, vous. Voilà, ça c'est bien. Celui-là, on va l'envoyer là-dessus. Ok. Donc là, on a. C'est qui lui? Sir John. Sir John, c'est cool? Sir John, c'est cool. Bah ouais. Mais il veut pas descendre, ce feignant, mais c'est une catastrophe. Allez, descends, sérieux. Sérieux. Ouh, on peut invoquer notre saloperie. Oh, c'est excellent, regarde, ils sont en train de se replier. Tailweed. Ok. Tailweed. Le tailleur de bœufs, c'est ça? C'est avant-gardiste. Regardions. Alors. Ça ramouille encore. Hein. 19 FPS, je ferai un petit peu d'optimisation pour le prochain live. Mais bon, là c'est trop. Il y a le chat, le stream, le traitement du son, le jeu. En plus, j'enregistre en local pour pouvoir faire des...
des rediffs en épisode derrière, donc je lui en demande beaucoup au Pépère quand même. Bon, je lui en demande beaucoup, je lui ai donné les moyens aussi de. Hein, bon. Au bout d'un moment, faut arrêter un peu, quoi. Lui, il retient toute l'armée à lui tout seul. Bon, ça a pu durer très longtemps. Mais quand même. On en est à 8 minutes. Mais encore une fois, même sur Rome, sur médiéval, sur ce que tu veux, j'ai jamais fait une bataille d'une heure et demie. Je te confirme. Alors, si, tu peux faire ça comme ça. Bon, alors là, je vais cliquer sur cette unité, puis attaquer ça, et allez, je peux faire durer. Je peux pas... Faudrait que je regarde, tu me donneras un... Faudrait que tu me partages une de tes vidéos où tu fais une bataille d'1h30. Ça m'intéresse. Merci beaucoup Nico pour ce super chat, mais malheureusement non, Géopolis je peux pas. Je te dis, hein, j'ai déjà joué à Travian, le truc dans l'espace là. Ah putain, je sais plus. Enfin le Travian de l'espace là, c'est au game, c'était un des premiers au game. Après on a joué à quoi On en a fait pas mal des jeux par navigateur comme ça où tu passes ta vie quoi, et c'est pas possible, c'est trop prenant en fait. Au début tu crois que c'est des petits jeux que tu vas jouer un petit peu de temps en temps, mais au final ça te prend ta life, quoi. Sérieux, c'est pire que tout ces jeux là. C'est pire que tout. Bye Ardion. Mais c'est prenant, c'est génial, mais c'est trop prenant. Je me rappelle, avec Tols, avec ma femme, on avait sur les jeux, on avait jusqu'à 3-4 comptes, tu vois. 3-4 comptes chacun, on tapait avec les 4. Alors en allant coucher, il fallait que tu prévoies tes mouvements de troupes quand t'allais coucher, en fonction de l'heure où tu te levais. Il fallait surtout pas te rater, hein. Parce que au bout d'un niveau, on t'attaquait à la seconde même où ton armée revenait, donc fallait que tu sois là pour la... Ah non, je peux plus. Non. Encore une fois, voilà, c'est prenant, c'est bien, c'est intéressant. Mais voilà. Payer n'est pas obligatoire. Hein. Payer n'est pas obligatoire, mais ce que tu paies pas, tu le paies en temps en fait. C'est ce que je veux dire. Tu peux effectivement t'en sortir sans raquer, mais derrière, ben... Voilà. Et sachant que si un mec paye, ben il va te baiser. Et c'est ça qui va pas. C'est ça, c'est comme une pute. Je me rappelle avec Tols, donc c'est le dernier qu'on a fait avec Tols. le dernier jeu, pas la dernière pute, hein, qu'on a fait avec Tols. Ah, faut pas que je dise de gros mots, tu fais chier, après YouTube il crie. Alors, donc le dernier qu'on a fait avec Tols, en fait, je sais plus le nom. C'était comme Travian, c'était le même délire. En fait, tu pouvais payer, je sais plus, 2 ou 3 euros, c'était pas très cher en plus. Pour avoir un token qui te permettait de téléporter ta ville à côté de quelqu'un, instantanément. Donc en fait, on s'était rendu compte que pour 3, 4, 5 euros, donc le prix de 2 téléportations, eh bien tu pouvais ruiner la vie d'un joueur. Parce que tu te téléportais avec ta ville, toutes tes armées dans ta ville, donc le mec il va coucher, toi tu te téléportes à côté de lui,
tu fais toute la nuit, tu fais, tu le bourres, tu le bourres, tu le bourres, tu le bourres, tu fais des allers-retours. Ça va très vite vu que t'es juste à côté, tu viens de te téléporter. Tu le bourres, tu le bourres, tu le bourres. Hop, dès que t'as fini, que le mec il est ruiné, détruit et tout, tu rentres chez toi. Voilà. Ça t'a coûté 4 euros et le mec il est fini. Donc, et en fait, c'est là qu'on a arrêté. Tout simplement. Alors, j'en suis où avec mes conneries, moi? Il faut de l'argent. Argent! Argent pour le bébé ou argent pour l'armée de squelettes. C'est pas le même délire, mais la finalité est la même. C'est quoi ça? Oh, mais je veux dire, c'est. Attends. Ah, c'est celui-là, ok, d'accord. Donc là, il faut qu'on fasse celui-là. The day of awakening comes. My dynasty reigns supreme. Mais bon, et ces jeux-là, ça marchait du feu de Dieu quand on était gosse, enfin gosse, plus jeune. Et ça, maintenant, ça marche sous la forme de, notamment Clash of Titans, Clash of Kings, Clash of machin. Ah, c'est le même délire, quoi. Ça te prend tout ton temps, c'est gratos, les gens y jouent à fond. C'est vraiment des bons jeux, mais non. C'est qui ça? Prince Serion. On va arrêter de lui faire collectionner des vases. Au bout d'un moment, il va faire la gueule le bétail. Donc Arcane Lenoir. Donc Nico, faut qu'il aille ici. Ok. Quête validée. Voilà. La splendeur passée de la cité n'est plus qu'un lointain souvenir. Ses édifices délabrés et ses portiques dilapidés n'abritent maintenant guère plus que le vent du désert. C'est trop long. Est-ce qu'on fonce dans la mêlée ou est-ce qu'on attend un signal? En tant que bon gros bourrin depuis 18 générations, je vais foncer dans la mêlée. Alors, yep. Taux de recherche plus 20, d'accord. Ok, c'est bon. La quête est disponible. On va juste aller vérifier la. Non, il faut que je régénère un petit peu et après on lancera la quête. Hop. Donc déjà on va essayer de réintégrer Nico dans l'armée. Dans l'armée principale, on va lui filer les troupes d'Isaria. Oh, quoi que. Guerrier de Nehekara. Pas mal ça. Donne le tonton. Pourquoi tu veux que je vienne ici, dis-moi. Ordre disponible. Ah oui, d'accord, oui. Ordre public. Pendant quelques tours, faut qu'on prenne l'ordre public. Donc là, la quête avance, on va régénérer l'armée de Arcane. Une fois régénérée, on va faire la quête. Histoire d'avoir l'épée d'Arcane, je sais pas d'où elle sort, mais son épée magique avec laquelle il va faire il va être content, tout ça. Attention, n'oubliez pas que le sabre laser est une arme. Des thunes, donne-moi des thunes. Votre prestige grandit, monseigneur. Les récits de vos conquêtes traversent monts et vallées. Le développement de votre puissance se fait remarquer, même par le roi le plus distant et le seigneur le plus bestial. Non, this cannot be. Pourquoi tu veux pas? Make this ready for Arcane. Allez, tu vas te régénérer tranquillou. Voilà. Toi, tu vas te régénérer ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut recruter du coup? On peut recruter deux archers, c'est quoi cool. Mais ils arrivent alors. Ah, quoique, on va peut-être les mettre dans. Ouais, on va peut-être plus les mettre dans cette armée-là.
Wow, quoi que non, parce que là, regarde, on a 5 unités comme ça. Non, 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 je vais pas changer cette armée pour l'instant. On va donner deux archers à Iseria, donc on va virer ça. Un recrutement et deux archers. Ah ouais, je peux faire du global. Qu'est-ce qu'on aurait? On aurait des archers, d'accord. Ok. Bah du coup, pareil quoi. On va commencer à virer les épéistes. Je vais garder un mur de lanciers. Comment ça coûte? Ah oui, ça coûte rien, putain. Tu vas te mettre dans la tête que les unités ça coûte que dalle ou non? Pas possible? C'est pas mal ça! C'est pas mal. Bah Nico, je t'ai dit d'aller là-bas. Qu'est-ce que tu. Quoi? T'as pas compris quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah merde, l'armée est pleine! J'avais dû annuler, je sais pas comment. Bonne nuit des stars, des bisous! Quelle heure il est d'ailleurs? 23h20. Je vais aller jusqu'à 30. Ouais. Hé! Nut! Un molosse. Un molosse comme ça, quand il se met en route, les gars, mais laissez tomber, quoi. Là. Qu'est-ce qu'elle est con. D'accord, il y a le chat qui passe sa patte au travers de la porte. Alors, un accord commercial avec le royaume des... Bah je l'ai déjà ça. Bon, en tout cas, même si c'est un départ difficile, hein, comme il l'annonce, je suis en mode difficile et ça s'est super bien passé. Votre seigneur roi Iseria vient de revenir. Ah oui, c'est l'ancien roi Iseria, ok. Donc ça s'est vraiment bien passé, j'ai conquis deux provinces complètes. Je suis content. Je suis jamais très confiant quant à mes capacités à pas faire de la merde. Ouais, vas-y, reconstitue. Alors quelle heure il est, on a dit 20... bah, ce qu'on va essayer de faire avant de partir, c'est la quête d'Arcane, donc je vais sauvegarder là tout de suite. On l'attend, si ça passe pas, c'est pas grave. Je sais pas du tout.